Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Je les ai trouvées fières, libres et téméraires. Je les ai trouvées provocantes, affranchies et déchaînées. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. My Ladies Rock de Jean-Claude Galota, c'est en ce moment à la MC2 et jusqu'à vendredi. My Ladies Rock concilie rock, danse et femmes. Jean-Claude Galota célèbre les légendes du rock, les femmes combattantes et provocatrices qui, pour s'émanciper, ont rivalisé avec les dieux du genre, à la Bowie ou à la Presley. Je les ai trouvées meurtrières. Au cinéma Pathé Chavant, ne manquez pas la projection gratuite du film documentaire qui lie un temps d'avance ce jeudi. Un film réalisé par Jean-Marc Esrick en présence du légendaire Jean-Claude Killy. C'est l'occasion de revenir sur les 3 médailles d'or glanées par le champion de Val d'Isère au JO de 68, son enfance et sa reconversion. À l'amphithéâtre de Pompée, ne ratez pas Amo Tati, jeudi à 20h. C'est l'histoire d'une mère courageuse et pleine d'esprit, usant d'un verbe haut et tout en couleur. La comédienne d'origine ivoirienne fait vivre à elle seule une galerie de personnages, tout plus désopilant les uns que les autres, qu'elle prend à bras le corps et secoue comme des cocotiers. J'aime pas la chanson. On ne peut pas s'y fier, c'est par effraction qu'elle préfère entrer. La v'là qui sera digne. Avoiron, c'est Juliette et son nouvel album J'aime pas la chanson. Météo Marine et Madame sont déjà des chansons cultes. Le spectacle, peu de mise en scène, mais beaucoup d'émotions. Le fameux piano domine l'orchestration au menu humour, texte poétique, talent et 30 ans de carrière à fêter. J'aime pas la chanson. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.